Bonjour, je vous présente Atomic, qui est un casse-brique de France Image Logiciel pour tous les Thomson, sorti en 1988. Thomson MO5, MO6, TO8, TO9, etc. Donc c'est un casse-brique un peu particulier parce qu'ici vous dégommez des atomes qui sont représentés par des briques bleues et vertes et vous avez des particules qui apparaissent. Alors je vais faire X, hein. Alors là c'est la démo, là ça montre comment que ça se passe au niveau de la démo. On peut jouer à un ou deux joueurs. Et vous avez des particules là, comme la verte par exemple qui donne une vie supplémentaire. Quand vous dégommez une particule verte, ça donne une vie supplémentaire. Quand c'est une particule jaune, ça fait apparaître un mur derrière qui devant qui évite bon qui évite de perdre la balle. Et voilà, donc je vais jouer là, je vais faire la X. Je vais jouer moi-même. Donc vous voyez, au niveau graphique, c'est quand même pas mal foutu. Hein. Hop, donc je vais pas à l'éditeur. L'éditeur, c'est on peut créer des niveaux en fait. Donc vitesse lente, un seul joueur, joystick. Alors comme je suis sur DC Moto, j'utilise le pavé numérique du clavier et je lance le jeu. Alors, il faut faire preuve de stratégie dès le départ. Alors c'est vrai que les briques elles sont pas forcément belles, mais le jeu en lui-même il est étonnant pour un casse-brique quoi. Vous voyez, quand j'ai tiré sur la particule jaune, ça fait apparaître un mur qui empêche de perdre la balle. Enfin pas longtemps, mais ah. Donc vous avez les particules vertes, les particules jaunes et les particules Les particules rouges, ça permet de passer au niveau suivant. Donc en fait, c'est à la fois un shoot zen up et un casse-brique ce jeu. Si je pouvais avoir la verte, ça serait pas mal. Zut. Donc c'est à la fois un casse-brique et un shoot-'em-up. Et en fait vous pouvez tirer sur les vertes. Zut. A chaque fois que vous tirez sur une verte, ça vous donne une balle supplémentaire. A chaque fois que vous dégommez une particule verte. Zut. Bah, c'est pas comme ça que je vais y arriver moi. Donc c'est un jeu qui est étonnant en fait parce que ça... C'est à la fois un casse-brique et un shoot 'em up. Zut. Donc il faut voir deux tableaux à la fois les balles et à la fois se servir du laser pour... Oh là, c'est pas évident. Hein. Ah mince, je sais pas l'avoir. Il ne reste plus que deux. Normalement je devrais les avoir là, ces deux-là. Je vais pas les avoir, putain, c'est pas vrai. Comment je vais faire? C'est bon. Ah merde, je sais pas comment ça se fait. Je fais pour passer au niveau suivant. Je sais pas. Ah oui, il me reste encore une bleue là. Ah oui, c'est pas simple. Il me reste encore une bleue qu'il faut que je puisse avoir. Ah, purée. Si je pouvais avoir la bleue là. Hop, non, même pas.
Il ne reste plus qu'un niveau là, hop. Ah zut! Je sais pas comment je peux avoir le dernier là. Ah purée! À moins que je tire sur Apple. C'est bon. Donc là on est au niveau suivant. Là je suis obligé de tirer tout le temps sur les. Voilà, plus de balles. Voilà, c'était Atomic de France Image Logiciel sur les Thomson 8 bits. A très bientôt pour une prochaine vidéo.